This iHeartRadio station is brought to you by Vitamin Water. Okay, you can do this. I know. Carvana makes it so convenient to sell your car. It's just hard to let go. My car and I have been through so much together. But look, you already have a great offer from Carvana. That was fast. Well, I know my license plate and VIN by heart, and those questions were easy. You're almost there. Now to just accept the offer and schedule a pickup or drop-off. How'd you do it? How are you so strong in letting go of your car? Well, I already made up my mind, and Carvana's so easy. Yeah, true. And sold. Go to Carvana.com to sell your car the convenient way. Bienvenue à vous qui avez décidé de nous écouter et de prendre part à ce nouveau voyage de l'esprit. Dans ce nouvel épisode, nous allons ensemble continuer notre quête de la vie dans l'univers. Les différents mécanismes par lesquels des molécules complexes comme les acides aminés ou les bases qui constituent notre ADN peuvent apparaître. Et vous allez voir que ces mécanismes, qu'ils soient au plus profond de la Terre ou dans le vide spatial, et bien qu'incertain, semble pourtant comme une mesure dans l'univers. Alors prenez place et bon voyage dans Poussière d'étoiles. Épisode après épisode, nous avançons dans notre recherche, dans notre compréhension de ce que pourrait être la vie dans l'univers. Rappelez-vous, dans l'épisode précédent, nous avions introduit toutes les difficultés que nous allons rencontrer sur notre parcours et dans ce périple. Un périple semé d'embûches et d'incertitudes. Rappelez-vous, dans l'épisode précédent, nous avions commencé cette quête en revenant à la base de la vie, à savoir les atomes complexes que sont le carbone, l'oxygène, l'hydrogène ou l'azote par exemple, et qui permirent, en tout cas dans le seul exemple que nous connaissons, celui de la vie sur Terre, de voir émerger le complexe. Nous nous sommes simplement posé la question, tiens, d'où viennent ces atomes et comment est-ce possible qu'ils se soient répartis presque miraculeusement de manière si homogène dans l'univers? Que vous regardiez dans le vide de notre système solaire, au cœur des galaxies ou dans des nuages stellaires à plusieurs milliers d'années-lumière, il semble que la répartition de ces éléments lourds dans l'univers soit à peu près la même partout. Nous avions vu que cette création n'a pu se faire évidemment qu'au cœur des étoiles, où la fusion thermonucléaire a permis l'apparition d'autres atomes plus lourds, mais surtout que nous devions cette répartition et donc peut-être notre existence au trou noir. Ces êtres pourtant synonymes d'ogres cosmiques ont été de merveilleux catalyseurs qui permirent, grâce à l'expulsion de gènes matière à des vitesses relativistes, de brasser, de répartir toute cette matière de manière homogène dans cet univers encore jeune à l'époque. Pour résumer, nous avions vu comment des conditions d'habitabilité galactique pouvaient émerger grâce aux étoiles et aux trous noirs. Voilà où nous en sommes. Mais maintenant que nous savons comment se sont formés ces atomes, vient une autre question évidente. Comment, de simples atomes, peut-on passer à des molécules complexes? Des molécules qui vont être les briques d'assemblage du vivant. En tout cas, encore une fois, pour le seul exemple de la Terre. Petit rappel simple, quelle est la différence entre un atome et une molécule? C'est très simple, une molécule est constituée d'un assemblage d'atomes. Les atomes sont les briques, ce que vous voyez dans le tableau de Mendeleïev que vous avez tous vu à l'école, et les molécules sont des assemblages de ces atomes pour constituer la matière. De l'eau, par exemple, qui est constituée d'un atome d'oxygène et de deux atomes d'hydrogène. Ou du gaz carbonique, avec un atome de carbone et deux atomes d'oxygène. Mais bon, il faut savoir que pour les briques du vivant, évidemment c'est bien plus complexe que ça. On ne parle pas de deux ou de trois atomes ensemble, mais de molécules de dizaines de milliers d'atomes, que sont les acides aminés par exemple, les bases azotées ou l'ADN, les constitutifs du vivant. Comment tout simplement passe-t-on de l'un à l'autre? Et vous allez voir que cette question n'est pas encore totalement répondue, mais plusieurs hypothèses se dégagent. Découvrons ensemble la première hypothèse, celle qui est d'ailleurs la plus ancienne et encore dominante aujourd'hui dans la communauté scientifique. C'est celle de cette fameuse soupe primitive, vous en avez peut-être entendu parler. C'est le postulat de base dont vont se servir Miller et Urey pour imaginer une expérience qui va permettre d'étayer cette hypothèse. Une expérience simple, mais qui restera dans l'histoire.
Cette expérience, elle est extrêmement facile. Vous prenez les éléments chimiques qui constituaient l'atmosphère de la Terre à l'époque de sa création, c'est-à-dire du méthane, de l'ammoniac et du dihydrogène. Puis vous enfermez tout ça dans un circuit fermé, stérile, comme une boucle. En bas, vous avez de l'eau qu'on fait bouillir et qui simule les océans avec leur évaporation. Et en haut de la boucle, deux électrodes qui font un petit arc électrique pour simuler les éclairs dans l'atmosphère. Et on laisse tourner tout ça. Au bout de quelques jours seulement, on obtient, au fond de l'eau, tout un tas de matières organiques, d'acides aminés. Bref, on a créé des briques du vivant en éprouvette. Qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, tout ça nous permet d'imaginer ce qu'il a pu se passer au début de l'histoire de notre jeune Terre. Il y a plusieurs milliards d'années, les premières molécules organiques se seraient combinées sous l'action de conditions de pression, de température extrême qui régnaient. Alors, ces conditions pourraient paraître extrêmes aujourd'hui et invivables, mais il faut se rappeler que les conditions pour que la vie puisse s'épanouir ne sont pas du tout les mêmes que les conditions nécessaires à son apparition. Pour prendre une analogie avec la cuisine, si vous faites un gâteau, vous allez ajouter de la levure chimique ou du bicarbonate, et puis des œufs, de la farine, etc. Et si vous laissez ça comme ça, à température ambiante, pas grand chose qui va se passer, vous garderez une espèce de pâte visqueuse. Et maintenant, mettez tout ça au four. Alors là, il se passe tout un tas de réactions. Les œufs vont coaguler, faire durcir votre pâte. Le gaz dissous dans le bicarbonate va se dilater, faire gonfler le gâteau. Bref, il faut quelque chose, la température, la pression, bref, peu importe, un catalyseur qui va permettre d'enclencher une réaction. Et c'était pareil sur notre Terre. Celle-ci venait alors de fêter ses 500 millions d'années d'existence. L'océan trouble du monde était encore un nourrisson, et elle était encore très chaude. La température dans ces océans pouvait atteindre 80 degrés. Et la Lune, récemment formée, est beaucoup plus proche de la Terre, à seulement environ 30 000 km. Et il lui faudra encore plusieurs milliards d'années avant de s'éloigner petit à petit et d'atteindre la distance que nous lui connaissons aujourd'hui. Mais étant beaucoup plus près, 10 fois plus près qu'aujourd'hui, les phénomènes de marée sont alors beaucoup plus puissants. Imaginez des marées avec des vagues de plusieurs mètres de haut. Et à travers cette atmosphère lufteuse, d'autres boules de lumière viennent sombrer dans la mer, laissant derrière elles des longues queues enflammées. Les tsunamis, soulevés par ces météorites et ajoutés au phénomène de marée, jetaient leurs vagues énormes sur ces continents encore nappés de lave. Des nuages de vapeur, nés de la rencontre entre l'eau et le feu, gorgeaient le ciel de nuages sombres. Et avec toute cette évaporation, l'atmosphère est balayée par les orages, les tempêtes, les cyclones, et la surface de notre jeune océan est continuellement frappée par les éclairs. Quand on s'imagine tout ça, on se dit que ce n'est pas un monde agréable pour la vie. Et pourtant, tout ça forme notre magnifique étuve dans laquelle les réactions peuvent se produire. Simultanément à ces scènes grandioses et infernales, des petites histoires commençaient à mijoter. Cette histoire se passe dans les profondeurs de la roche. Autant que l'eau, les minéraux ont été primordiaux dans l'apparition de la vie. Encore aujourd'hui, au niveau des frontières entre plaques tectoniques, la croûte terrestre se crée et s'entrechoque. Des cheminées volcaniques se forment et avec elles, des sources hydrothermales à plusieurs centaines de degrés. Ces eaux troubles sont bourrées de composés parfaits pour la naissance de la vie, comme du phosphore ou du soufre par exemple. Mais ce qui nous intéresse se trouve à l'intérieur de ces cheminées volcaniques, la serpentinite. À 200 km de profondeur, à la frontière entre deux plaques tectoniques, l'eau s'engouffre dans le manteau. C'est le contact entre le manteau et l'eau qui va provoquer la cristallisation du magma en serpentinite.
cristal chatoyant aux couleurs vertes émeraudes, utilisé encore aujourd'hui en joaillerie. Cette roche, située en particulier dans les parois de ses sources hydrothermales, pourrait avoir joué un rôle majeur dans l'apparition de ses premières biomolécules. La serpentinite, c'est un cristal très particulier dans son arrangement. Elle a une magnifique structure en mille feuilles. Et entre chaque feuillet, se créent de petites cavités, de petits interstices, où peuvent se concentrer les éléments simples, les précurseurs moléculaires des synthèses organiques. Ces surfaces minérales se comportent un peu comme des cocottes minutes. Elles vont absorber les molécules organiques et elles les retiennent, les concentrent à de très fortes températures dans leur espace interstitiel. Mais surtout, elles les protègent. Car les structures comme l'ARN, les précurseurs de l'ADN, sont extrêmement fragiles. Et un contact avec le milieu extérieur suffirait à les briser. Dans ces cheminées, elles sont bien au chaud, à l'abri. Ajoutez à ça, d'autres phénomènes entrent en jeu dans la réaction, comme la différence de pH entre l'eau à l'intérieur et l'eau à l'extérieur de la cheminée volcanique, qui vont encore favoriser de nouvelles réactions chimiques. De tout cela, des molécules organiques étaient en train de se créer, d'éclore, entre éclairs, rayonnements cosmiques, cheminées volcaniques, elles se percutent, fusionnent, se décomposent. C'est un jeu de blocs génial, mais prodigieusement lent, qui se prolongera encore 500 millions d'années, jusqu'à ce qu'enfin, un jour, une chaîne de molécules particulièrement longue se divise en tremblant, reproduisant alors une autre chaîne à l'identique, avant de se reproduire encore et encore. Et pour citer Liu Cixin, auteur de science-fiction, la probabilité de l'apparition de cette chaîne autorépliquante était aussi infime que si une tornade avait soulevé une pile de déchets mécaniques et déposé après son passage une Mercedes-Benz entièrement assemblée. C'est improbable, mais c'est arrivé, et ainsi a commencé une longue histoire de 3 milliards et 500 millions d'années. Voilà pour cette hypothèse de la soupe primitive du début de la vie sur cette Terre chaotique. Mais le temps passant, et ce mystère s'éclaircissant, de nouvelles questions se posent. D'où vient cette matière organique primitive, originelle, présente en abondance sur notre jeune Terre, apportant avec elle les éléments réactifs nécessaires à une chimie complexe? Depuis quelque temps, et grâce à de nouvelles découvertes, de plus en plus de voix s'élèvent pour proposer une hypothèse encore plus globale et qui pourrait nous faire revoir entièrement notre copie. Cette matière organique se serait en effet formée directement dans le vide et le froid de l'espace. Sans eau, sans air, sans chaleur, ce que l'on pensait impossible il y a encore quelques dizaines d'années. Mais comment seulement en est-on arrivé à cette conclusion? Vous le savez sans doute, il est maintenant établi que les météorites ont pu apporter des éléments organiques sur Terre. Et elles en sont effectivement remplies. Les scientifiques ont étudié des météorites retrouvées sur Terre et elles en contiennent une flopée. Des molécules très complexes avec des noms encore plus complexes que je vous épargne volontiers, mais qui interviennent dans la composition des acides nucléiques, par exemple ces fameuses bases A, C, G et T de votre ADN, ou encore des protéines. Certaines météorites contiennent pas moins de 74 types d'acides aminés, dont 8 que nous retrouvons aujourd'hui dans les protéines du vivant comme la glycine, l'alamine, la valine, la leucine, ainsi que des acides aspartiques et glutamiques. Une possibilité évidente est que ces météorites aient été contaminées après leur arrivée sur Terre. Sauf que non, les scientifiques sont formels, elles viennent bien de l'espace. Car en plus de ces molécules propres aux vivants, nous retrouvons également des petites variantes, des molécules très similaires, presque miroirs, mais légèrement différentes, qui n'existent absolument pas sur Terre. Ces météorites, ce sont un peu les vestiges des trésors archéologiques du début de notre système solaire, lors de la nucléosynthèse, la naissance de notre Soleil. Puisque ces météorites datent de cette époque, ça veut donc dire que ces molécules elles-mêmes se créent lors de la formation de l'étoile. Pour en avoir le cœur net, les scientifiques ont porté leur regard sur des nuages de gaz, froids, à des dizaines, des centaines d'années-lumière. Il faut savoir que toute molécule est unique et a un spectre unique, un peu comme un code-barre. Si bien que quand on regarde la lumière qui nous arrive de ce nuage, on peut lire à travers ce spectre les différents marqueurs des molécules, ces fameux codes-barres. Et là, bingo, on retrouve des acides aminés, des acides nucléiques et d'autres matières organiques complexes, bases de notre ADN et ARN.
Mais comment sans air, sans eau, dans ces conditions si hostiles à la vie, la matière organique peut se former? Eh bien souvenez-vous, ces atomes lourds formés au cœur des étoiles et relâchés lors de leur mort, l'oxygène, le fer, le carbone, l'azote, etc., c'est là qu'ils vont entrer en jeu. Dans ces nuages de gaz vont s'assembler un petit peu de soufre et un petit peu d'oxygène pour former des toutes petites poussières, de la silice. Ces poussières sont de l'ordre de 10 millionièmes de mètre. Infimes, mais suffisantes. Car les autres atomes, carbone, azote, hydrogène et oxygène, vont venir s'accréter à la surface de ces minuscules grains qui forment une surface poreuse sur laquelle elles peuvent s'accrocher et vont interagir pour former de nouveaux éléments, toujours assez basiques, sous forme de glace autour de ces grains. De la glace d'eau, de l'ammoniac ou du méthanol par exemple. Mais jusque-là, rien de très complexe. Un peu de silicium et une couche de glace d'éléments relativement simples. Pour que tout ça fonctionne, il faut notre four, il faut de la chaleur. Et c'est alors que, avec un petit peu de chance, dans ce nuage, va se former une étoile. À la naissance de cet astre, c'est lui qui va apporter la chaleur, les ions et les radiations, les expulsant dans toutes les directions, et qui vont venir percuter et faire réagir ces petits grains de poussière, où cette matière primitive, ammoniac, eau, méthanol, silice, va réagir ensemble pour produire une nouvelle série de réactions et donc de nouveaux composants. Alors il faut passer de la théorie à la pratique, et les scientifiques savent très bien reproduire ces conditions en laboratoire, et conformément aux observations, ils ont pu obtenir des briques de la vie terrestre, comme les bases nucléiques formant notre ADN. On savait déjà que les étoiles sont les usines à fabriquer tous les atomes lourds qui constituent notre tableau de Mendeleïev. Mais plus encore, c'est leur naissance qui va permettre toutes les conditions permettant de créer une diversité de plusieurs millions de molécules. Ces molécules présentes dans des petites poussières qui vont petit à petit s'agglutiner autour de l'étoile, formant les premiers astéroïdes et premières comètes. Et ces mêmes comètes et astéroïdes qui viendront des millions d'années plus tard ensemencer une potentielle planète. Voilà où nous en sommes. Aucune de ces théories n'est vraiment plus avancée que l'autre, et il est sûrement probable que ces deux phénomènes se produisirent de manière conjointe. L'espace, apportant sur Terre comètes et astéroïdes, et avec elles, les premières molécules organiques complexes qui, elles-mêmes, par le plus grand des hasards, auraient pu se retrouver piégées dans les profondeurs de la Terre, dans nos petites étuves, bien chaudes, et pleines de composés moléculaires, où elles auraient eu tout le temps de mijoter et de réagir ensemble pour se complexifier. Une chose est sûre, c'est que l'univers regorge des mêmes molécules organiques, d'acides aminés, de bases azotées, de séquences de nucléotides, autant de pièces comme un meuble en kit qui ne demande qu'à être assemblées. Bien sûr, faut-il encore que ces molécules trouvent un endroit accueillant, où il existe une mécanique similaire à celui de la tectonique des plaques où elles pourront être catalysées. Mais sur des dizaines, des milliards d'exoplanètes, rien que dans notre galaxie, rien n'est impossible. Et plus important encore, ça signifie que les ingrédients à l'origine de la vie sont universels, et que donc les mécanismes du vivant le sont aussi. Il est donc fort à parier que la vie ailleurs, si elle existe, repose donc sur les mêmes bases azotées qui forment notre ADN, ou les mêmes acides aminés à l'intérieur de nos cellules. De là à dire que de la vie et des organismes vivants, s'ils existent ailleurs, seraient semblables à ceux sur Terre, il n'y a qu'un pas, mais que je ne franchirai cependant pas. Car, pour reprendre et terminer notre analogie sur la cuisine, bien que tous les gâteaux utilisent les mêmes ingrédients, farine, œufs, sucre et lait pour la plupart, vous constaterez comme moi qu'il existe pourtant une immensité de combinaisons et de résultats possibles. Voilà où s'arrête notre quête pour la vie, que nous continuerons dans notre prochain épisode où nous retrouverons, je vous promets Willy, où nous parlerons cette fois de ces mondes justement susceptibles d'accueillir ces petites molécules et de former la vie. Quels sont-ils? À quoi ressemblent-ils? Vous verrez qu'il existe, là encore, une infinité de possibilités et de mondes étranges. Avant de terminer cette émission, merci à vous. Vous nous avez, comme chaque mois, envoyé des commentaires et vous avez fait de Poussière d'étoiles l'émission numéro 1 de la catégorie Astronomie sur Apple Podcasts et Spotify. Merci à vous pour votre fidélité et votre engouement. Merci d'ailleurs à Toff123 qui nous dit « Super,
merci pour ce voyage et ce bien-être. Eh bien, merci à vous encore une fois et nous vous disons à très bientôt pour un nouvel épisode de Poussière d'étoiles. This iHeartRadio station is brought to you by Vitamin Water.